So you keep fighting for that moment. Terrified that you won't show it. All the things you left unspoken. Saying them seem so easy. Voilà, salut tout le monde. Ça commence direct, un épisode là. Direct. Salut tout le monde, c'est Thème Ogot de la Team Zombie Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 d'Infamous, notre série pas hyper regardée, certes, mais. J'arrête pas des séries parce qu'elles sont pas regardées. Hein. Enfin, je m'en fous que vous regardiez ou pas. C'est pas vraiment mon problème. Mais enfin, si, c'est mon problème, mais si vous regardez pas, ça, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vais arrêter une série. Parce qu'il y a quand même quelques personnes qui regardent. Donc pour elles, je fais l'effort de continuer. Et puis, voilà, tout le monde est content. Donc on se retrouve dans l'épisode 16 d'Infamous. Et donc la dernière fois, on avait fait. La dernière fois, on avait fait l'arrestation d'Alden. On avait. Je sais plus ce qu'on avait fait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur Infamous. Donc. Vous avez qu'à aller voir dans le dernier épisode, hein, parce que même moi je ne sais pas. Donc. Au final, c'est la même. Voilà. Allez, donc on se déjà à la prochaine mission. Merde, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je vois que ça me déstabilise un peu de pas savoir ce qu'on a fait dans le dernier épisode, hein, parce que du coup, je sais pas vers quoi je m'oriente. Et du coup, ça m'embête un petit peu. Du coup, ça m'embête un petit peu, les amis. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur PS3, je suis désolé. Enfin, même tourné tout court. Hein. Ma dernière vidéo date d'il y a. Le dernier tournage de vidéo date d'il y a, une semaine et demie, un truc dans le genre, donc désolé si... Attends que je vienne à ta rencontre, toi, fils de pute. Au lieu de slalomer entre les cheminées, là, voilà, t'as quoi maintenant. Donc ouais, date de bien une semaine et demie, ouais, donc du coup j'ai un peu de mal à me rappeler, je suis vraiment désolé. Mais on va y aller. On a l'air de se diriger vers la tour d'Alden, c'est la tour d'Alden, donc... On y va, c'est parti. Hop, on va vers la tour d'Alden et on va voir ce qui s'y trame. Ah oui, si c'est bon les amis, c'était John. On avait vu John. Voilà, c'est ça, on avait vu John et en fait il s'était fait poursuivre par un écho des premiers fils. Et du coup, c'est ça. Alors par contre, où est l'entrée? J'aimerais bien le savoir. Je vous l'avoue. On est gentil avec les autres, donc allons-y. Ok, ouais, on peut rentrer par là, c'est cool ça. Alors, donc ouais, on avait vu John et tout, et je sais plus ce qui s'était passé précisément, mais voilà. Ah, la métasphère. J'avais un peu peur de ne pas te voir. Qu'est-ce qui se passe? La métasphère est en haut de cette tour. On va la récupérer et on se casse d'ici. T'es partant? Viens, ça m'a étonné. Faut qu'on escalade ce truc. Fonce vers l'ascenseur pendant que je trouve un moyen de te faire monter. Ok. Alors déjà, j'ai vu un fragment intéressant. Kayé fait plein de maintenant, je vais en profiter. Hein. Voilà. Comme ça, c'est toujours 5 points d'XP de prix. Alors, on escalade, c'est parti. Non. Voilà. Hop, hop, hop. Hop là. Ok, super. Observez quoi. D'accord, ok, donc on peut le faire tourner comme ça, d'accord. Il monte ou pas? Il monte. Ok, parfait. Ah, que ça apparaît comme ça dans le... Trouver la métasphère. J'ai croisé John.
Il m'a dit qu'elle était ici. Ah. Le mari de Moya ? Il dit qu'il n'est pas son mari. Il ne la connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, j'ai plus l'impression qu'on s'est fait niquer. Ouais. Reste à savoir qui. Putain, Cole ! Je t'avais dit de te méfier des fédéraux ! Tu penses pas encore leur filer la métasphère, rassure-moi ! John dit qu'il veut que je l'aide à la détruire. À mon avis, c'est plutôt une bonne idée. La détruire ? Ha ha ha, c'est ça. Je te parie tout ce que tu veux qu'il veut juste l'activer. Ou il va la vendre à quelqu'un contre tes gros bifetons. Possible aussi. Faut se dépêcher ! Allez, bah, grimpe-nous ! S'il te plaît, viens me dire. Le mec, il casse les couilles, là. Chercher un moyen de monter, en fait. C'est ça, le truc. Si vous avez du mal à comprendre, ça, j'ai peur. Si vous demandez pourquoi je fais ça, c'est parce que je cherchais un endroit où monter, en fait. Alors. Il y a des vibrations, il y a des... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Allez, hop. Oh, dégage. Voilà. Ouais, ouais. C'est parti, c'est posé. J'en étais sûr, putain. Oh. Si. Ah, putain, je fais le shot. Ah, voilà. C'est lui qu'il faut taper. Lui. Voilà, c'est bon. On l'a eu. Alors, allons-y. Faisons monter Zek. Au final. Il arrive, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, hop, ça c'est parfait. Oh, le mec, il... Ouf. Il a rien du tout, wesh. Le mec, il déjà, tu traverses. Déjà, tu traverses le décor. Et en plus... tu veux me niquer. Mais je rêve. Oh. On se croit où, là? Alors, on continue de monter. Faites monter le troisième ascenseur. Oui, bah... T'es marrant, toi, tu crois que je sais quoi. Même le jeu, il me goûte, alors, ils n'ont pas compris, quoi. Hop. Hop. On y va, on monte à la Spider-Man, les gens. Hop. 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 À la Spider-Man, hein, sans pression. Hop. Non! Voilà, merci Cole! Putain, non, mais tu déconnes. Mais oui, merci, tu déconnes. Merci, merci jeu, t'as été gentil avec moi. Alors, allez! Qui me tire dessus? T'as pas honte? T'as pas honte? Ordure? Ah, vous avez compris, ordure, les nettoyeurs, parce que c'est des sacs plastiques qu'ils portent. Petit jeu de mots, quoi. Ordure. Bref, là, c'est tombé. On continue, on y va. Et putain, pour monter là, quoi, genre, rien dire. Par contre, j'aimerais bien savoir quand même... qu'est-ce qu'il fait, ce vacarme. On continue. Donc, on refait. Désolé, hein, si j'arrive pas à monter d'un coup, hein, mais c'est pas si facile que ça. Voilà, il a chopé le truc. C'est déjà ça. Par contre, je me fais tirer dessus, là, ça m'énerve. Ça m'énerve de me faire tirer dessus par des bolosses comme eux, là. Mais sors tes fesses, c'est tes fesses. Voilà. Allez, vas-y, monte tes fesses encore, que je t'élimine. Voilà, élimine, on est tranquille. Alors là, maintenant, on fait quoi? Voilà. Hop, on monte dessus. Voilà. Voilà, on y arrive tranquillement. Hop, parce que qui fait malin tombe dans le ravin, comme me l'a rappelé IWAS cet après-midi. Qui fait malin tombe dans le ravin, les amis, donc voilà. On prend notre temps. Cole, allez, mon vieux, fais bouger cet ascenseur. Bah, il est où? Ah, il est là. Oh! Oh! N'importe quoi! Allez, fais-moi monter! Laisse-moi tranquille!
ça. Si tu devais affronter les ennemis, là, on dirait, ça me ferait bien de te voir. C'est bon, là, t'es en train de monter, là. C'est pas cool. Allez, go. Continue. Je vais encore gueuler. Tu sais, j'aurais vraiment aimé que tout ça ne m'arrive pas. Je suis toujours un putain de coursier, comme avant. Je vais juste où on me dit d'aller, quand on me le dit. Et je commence à me dire que ça ne changera jamais. Impossible, Dieu. Quand on aura cette métasphère, personne n'osera nous faire la moindre remarque. Ça, je peux te le garantir. Pas J'espère formidable. Que t'as raison, Zek. Ouais. Vraiment. Moi aussi. Parce que je sens mal le truc. Non, tu veux pas... Allez, fais-le monter, ascenseur de merde. Voilà. Bah alors là, ça sent le combat de boss, là. Même ici, y'a personne. Ça sent le combat de boss, les amis. Je vous connais, vous voilà. Deux. Vous m'avez enfermé comme une bête, attaché à un lit. Et vous avez voulu m'électrocuter. Je vous ai bien eu, vous et ces poulets. Voilà. J'ai senti, au début. À mon signal, tu fonces sur la métasphère. J'empêche à la bête de t'atteindre. C'est parti. Où est-ce qu'il y en a? Où est-ce qu'il y en a? Là. Dégage. Je sais pourquoi vous êtes là, est-ce que vous voulez? Je ne laisserai personne me voler, c'est hors de question! Mon seul moyen de sortir de cet enfer, c'est toi, Alden. Et je te jure que tu ne m'en empêcheras pas. Pas dégage, là. Ah. Ouais, c'est dégage. Tu veux seulement ce qu'on te montre. Mais bientôt, tu comprendras. C'est bon, ça gère, Zek, la fougère. Allez, Zek. Ah, il y a le titan qui se réveille, je me demandais justement quand est-ce qu'il va se réveiller. Allez, viens, ma bouche. Un faible pour les monstres de pacotille, hein. Quand ma tour sera achevée, je renaîtrai. Ce vieux corps fatigué disparaîtra, remplacé par de l'acier. Ah bon? Et ainsi je pourrai accomplir mon destin. Grâce à Dieu, je retrouverai mon bien. Allez, casse-toi. Ce truc bouge pas. J'ai besoin de temps. What? Il m'a headshot. Ah, il m'a one shot là. Et il m'a one shot le petit salopard. Toi, où on va vous taper dès le début. Voilà. Et ainsi je pourrai accomplir mon destin. Grâce à Dieu, je retrouverai mon bien. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Dieu? On a dit pas de religion sur la tête de Dieu, les gens. Attends, pas plus le bras, dépêche. Ah putain, MDR. Je débarre là. T'as vraiment un faible pour les monstres de pacotille, hein. Quand ma tour sera achevée, je renaîtrai. Ce vieux corps fatigué disparaîtra, remplacé par de l'acier et du béton. Et ainsi je pourrai accomplir mon destin. Grâce à Dieu, je retrouverai mon bien. On a vu ça. Allez. Alors on va essayer. J'ai besoin de temps. Autre chose. Voilà. Allez, pète le bras, voilà. Voilà, on fait mal. On va lui péter l'autre bras. Voilà, on lui fait mal, les gens. Et maintenant, tu lances que des boules de feu. Mais qu'est-ce qu'il fait, cet hélico, là? Regardez. On va le taper comme ça. Voilà. Ouais, t'es sérieux, il est toujours pas mort là? Continue, vieux. Voilà. Y'a quoi maintenant? Je m'ai tué deux fois, mais moi je gère. C'est quoi cet hélico là? Kessler. Ma femme. Oh, pauvre Alden, tout ce potentiel gâché, gaspillé, ton père aurait été tellement déçu. Tu oses parler de mon père?
Je vous tuerai tous, sans exception. Et je vous arracherai les membres. Zek, tire-toi de là. Cours. Qu'est-ce qui se passe encore? Zek s'est emparé de la métasphère. Ah. Et il s'est retrouvé entre Alden et Kessler. Il fallait absolument s'enfuir, mais il restait là. Pétrifié. Au-delà de la peur, il prenait conscience que la clé de ses rêves, l'outil qui le rendrait surpuissant, il le tenait dans ses mains. Une enflure peut choisir de tuer des milliers de gens, de voler leur vie pour transformer la sienne. Et puis... rien. Tout le monde s'en sort, et rien ne change. Kessler est le premier à profiter de la situation. Il dit connaître le problème. Si Zek lui laisse la métasphère, Kessler pourra lui donner les pouvoirs dont il rêve tant. Mon meilleur ami me regarde dans les yeux et commet sa deuxième faute. Alden est fou de rage d'avoir perdu la métasphère. La tour a tremblé, tout s'est effondré. Et moi, je me suis fait assommer. Je n'ai rien senti venir. Oh, le fils de Bip. Donc Zek nous a trahis, les amis. Zek nous a trahis. Eh ben putain, si je m'y attendais. Si je m'en rappelais, surtout. C'est surtout si je m'en rappelais. Putain. 500 points d'XP, votre karma ne change pas. Ok. Alors, on va en profiter déjà pour voir si je peux améliorer quelque chose ou pas. Ah si, là. Drainage, sans induction. Ah, ça c'est cool. Alors, on a amélioré notre drainage. On se refait du pic, de l'électricité. Je vous ai dit de choisir une personne de confiance. 93 secondes. Zek est mon meilleur ami, c'est comme un frère. Oui. C'est le seul en qui j'ai confiance. Bon. Je croyais. Eh bien c'est raté. Maintenant Alden se livre à un massacre et Kessler à la métasphère. Il va falloir résoudre ces deux problèmes et vite. 63 secondes. Je commence à penser que j'ai pas à m'en mêler. Je devrais peut-être les laisser se taper dessus et revenir chercher la sphère quand ce sera fini. Et si l'un des deux l'active et qu'elle élimine 10 000 personnes supplémentaires? En plus, qui sait ce que cette moya veut fabriquer avec? Non, c'est le seul moyen. 38 secondes. J'espère que vous comptez bien la détruire. Je ne plaisante pas. Vous avez ma parole. Alden est en route pour le quartier historique. Rattrapez-le, éliminez-le et cherchez Kessler. Je vous recontacte. Bon. Ok, bah écoutez les amis, on a fait une mission, d'habitude c'est deux. Mais écoutez, elle était longue, donc voilà, parce qu'elle est juste au-dessus, elle est juste là, donc Regardez autour de vous en pire que dit. Ouais, on va écouter lui en plus, là. Acharnement pour survivre. Ce sont pas les riches, ça c'est sûr. Il en reste plus aucun des dirigeants. Non, ils ont tous déserté avant que la quarantaine soit imposée. Vous croyez que quelqu'un à l'extérieur s'intéresse à notre sort? Réfléchissez bien. D'accord, il a fini. Toi, tu me casses les couilles aussi. Voilà. Bah écoutez, parfait, on termine cet épisode sur un headshot. Et donc, merci de m'avoir suivi, les amis. Boum, voilà. Et puis, bah, la prochaine fois, on se fera, comme je l'ai dit, cette mission-là. Merci, Cole. Voilà, on se fera cette mission-là. Et puis, bah, on se retrouve dans le prochain épisode, les amis. Likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne et puis allez. Parce que je suis gentil, on va se faire cette petite mission secondaire. Oh le bug. J'espère qu'elle est pas longue quand même. Vous êtes au moins bon à quelque chose, crevure. Ok, donc c'est récupérer des fragments. Alors du coup. Près de l'usine. Alors l'usine elle est là. Et du coup. Faut le voir comme ça. Donc là il y a la citerne, là il y a l'usine. C'est-à-dire qu'elle est juste en dessous. Voilà, elle est là. Voilà, trop de puissance, t'as mon goût de détective. Oh là là. Mais descend là. Mais arrête. Voilà, t'as mon goût de détective, les amis. Et de 5. Voilà, colis caché, plus 100 points d'XP reçus. Voilà, donc on termine sur cette mission. Boum, voilà, 21% du dédale achevé. Là, au moins, on est clean. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous faire chier. Et puis, bah, comme je disais, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve dans le prochain épisode d'Infamous. Salut tout le monde, ciao, ciao.